Alors là, tu as mis tous les ingrédients de la carbonade. Voilà, donc avec trois tranches de gigot qu'on a lardé. Ah, avec quoi? Voilà, du petit salé. Et de l'autre côté, c'est avec de l'ail. Alors, je t'en ai fait deux. Ah, d'accord. D'un côté, tu fais des trous et tu mets du lard. Voilà. Alors, je t'en ai fait deux. Tu vas faire la troisième. Et je vais faire la troisième. Déjà, tu commences par ici. Sur le côté, sur la tranche. Ah, mais c'est magnifique. Ah, attends. C'est la première fois que tu le fais. Tu demandes, j'exécute. Hein. Ah, bah oui, la carbonade de mouton, enfin, ou d'agneau, ça, c'est la première fois. Non, elle m'explique bien. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. T'as donné des cours de cuisine, d'ailleurs. Beaucoup, toujours, d'ailleurs. Tu as le souci de transmettre. Oui, il faut. Alors, tout de suite, on met un peu... Qu'est-ce qu'on met? D'huile. D'huile, une sorte de marinade minute. Voilà. J'en mets comme ça. On termine, et moi, je badigeonne un peu. Voilà, très bien. Ne bouge pas. Et c'est quoi comme huile? C'est pas de l'huile de noix. Elle était facile. Ouais. À moi, tu fais ça. Ouais, mais tu marches. Ah oui, alors. De la sarriette. Oh là là, j'adore donc la sarriette. Je vais te faire sentir. Ça, c'est vraiment l'odeur de la Provence pour moi. Il n'y a pas que le thym et le laurier. J'adore. Voilà, tu peux sentir. Mais il n'y a pas un peu d'origan aussi dedans, non? Sarriette, marjolaine et origan. Voilà. Tu vois. Pendant que la viande marine, Guy s'attaque aux légumes. Carottes, oignons, navets, céleri, artichauts, un vrai panier primeur. C'est une recette que ma grand-mère faisait et une recette qui a quand même une histoire parce que déjà, Frédéric Mistral, qui était né en 1830, parle de la carbonade. Ah oui. Fonce Daudet, dans son roman Le Petit Chose, parle aussi de la carbonade, dont il y a quand même des racines. Comment elle est née? On dit que c'est une spécialité des mariniers du Rhône. Ils faisaient passer des moutons d'une rive à l'autre. Les troupeaux, quoi. Voilà. Et naturellement, le berger, à la fin de l'année, il donnait un mouton. Et comme comme ce mouton n'était pas de première jeunesse et qu'il ne fallait rien gaspiller, donc le gigot était fait comme ça. Il l'arrangeait à leur façon. Là, on va mettre du petit salé. T'appelles ça du petit salé, toi? Oui, en Provence, le lard maigre, on l'appelle le petit salé. Il n'y a pas d'autre nom chez nous. C'est de la poitrine salée, en fait. Voilà, c'est la poitrine. Je les mince. Tu les coupes un coup comme ça. Ouais. Et après, comme ça, ou tu veux que je les mince plus finement? C'est très bien. C'est très bien. Allez. Les légumes épluchés, il est temps de démarrer la cuisson de la viande, que l'on a laissé mariner au minimum une heure. C'est bien, t'entends le bruit. Ouais, ça chante. Alors, on va faire colorer, parce qu'il est important. Dans une préparation de faire colorer et de ne pas tourner souvent. Pour que ça saisisse, il faut la laisser. Il faut qu'il y ait les sucres. Il faudrait même que ça attrape un petit peu, quoi. Alors, on s'occupe du reste? On s'occupe du reste. Tout est prêt, sauf les artichauts. Allez, on y va. Alors, moi, je ne suis pas l'experte en tournage d'artichauts. J'enlève les feuilles les plus vertes. Alors, est-ce que ça va ou je tourne davantage? C'est très, très bien. C'est bien. Ah non, bon, elle s'y connaît, la petite. Hein. C'est gentil. Et après, j'enlève le cœur. Voilà, t'as une cuillère à Paris. Voilà. Bien saisie, la viande est ensuite sortie du feu, remplacée dans le faitout par les oignons et le petit salé, suivi quelques minutes après par le reste des légumes. Je remets un peu d'huile ou pas? Tu mets trois sortes d'oignons, des gros oignons, des oignons frais, des grelots. Et ça, c'est quoi? C'est le bouquet garni qui est fait... Je n'aime pas les bouquets garnis qui sont tous pareils. Ah, c'est en l'occurrence persil et romarin. Il n'y a rien d'autre. D'accord. Pour terminer, Guy remettra la viande à mijoter, accompagnée d'un coulis de tomates, maison bien sûr, et de haricots blancs, avant de mouiller avec de l'eau et du vin blanc. Pour la carbonade de Guy, il vous faudra 3 tranches de gigot d'agneau, 3 oignons, 8 gousses d'ail, de l'huile d'olive, quelques oignons grelots, 200 g de poitrine salée, un bouquet garni, et pour les légumes, des carottes, du céleri, des artichauts, des tomates, des haricots blancs et enfin du vin blanc. Et on laisse cuire combien? On va laisser cuire 2h30, 3h. À couvert? À couvert. On peut le cuire à petit feu là ou alors au four. Au four, c'est mieux, non? Pour les plats mijotés. Au four, c'est toujours mieux. Ça confie un peu. Voilà.